Lucas Puyol sera le premier sur ce ballon, autant pour moi. Oh, il a fait le plus dur. Oh, il n'a plus qu'à la mettre au fond. Oh, c'est le but. Le but qui leur permet de passer devant. C'est tout simplement exceptionnel ce qu'il nous fait aujourd'hui. C'est assez rare, hein, le coup du chapeau. Un petit but qui les sépare désormais. Le score est de 3 buts à 2. Xabi Alonso pour récupérer ce ballon. Un tacle parfait qui va faire plaisir aux puristes. Ozil. Benzema. À qui l'on souhaite un joyeux anniversaire. Oh oui, le bon ballon. C'est le gardien qui a le dernier mot sur ce ballon. Oui, bonne sortie. Par le défenseur. Je passe. Oh, ça va rentrer. Ah, le Barça qui bouleverse complètement ce match en une seule action. Et ça fait deux buts pour son compte personnel. C'est encore un retour au score, une nouvelle égalité. Et c'est Messi qui est venu au contact pour disputer ce ballon. Il est coupé par Cristiano Ronaldo. Il n'avait plus que le gars. Oh, il va marquer. Le Real Madrid qui va vouloir marquer, bien entendu, sur ce corner parce que c'est une grosse, grosse occasion. On va-t-il marquer de la tête? Et ça passe au-dessus. Ouais, c'était bien tenté, hein. Pour essayer de le contrer. Ah, le Barça qui bouleverse complètement ce match en une seule action. Ah, le Barça vient de frapper un grand coup dans cette partie avec ce but. La victoire qui est désormais à portée de main. Ah, c'est bien parti. En effet, on peut compter, je pense, sur les Catalans, hein, pour tout verrouiller dans ces dernières minutes. Et c'est sous la barre. C'est imparable, mon cher Hervé. Pepe. Xabi Alonso. 2 minutes, ce sera le temps additionnel. Et le joueur du Real qui commet une faute. L'arbitre qui appelle le joueur du Real Madrid. Mais oui, je crois que c'est pour le jaune, Hervé. Qui se perd dans le ciel du stade. Eh bien Hervé, il a sans doute péché par excès de confiance, hein, c'est dommage. Allez, il faut aller porter le ballon devant, il ne reste plus beaucoup de temps. Xabi Alonso. Piqué. Et c'est la fin de ce match très intéressant qui s'achève sur le score de 4 à 3. L'équipe qui fait fructifier sa dernière victoire en s'imposant de nouveau. Et 2 victoires consécutives, ça commence à être intéressant. Ah oui, à partir